On a mis un peu de matériel là. Et on était un peu plus loin. Et maintenant, on est au cœur de l'action. Qui est en train de se décaler par là-bas. Mais il y a quelques belles images dans la boîte. Ce qui est pénible, c'est qu'il commence à pleuvoir chez nous là. On avait été à l'abri jusque-là. Allez, un petit éclair pour vous en direct. Là-bas, ça peut venir. Hein. Ça peut revenir. Tout à l'heure, on était là-bas devant le pic. Et je me suis découragé pour venir ici. Donc, c'était pas un mauvais choix. Ouais, voilà, il y en a eu un peu là. C'était un peu. On a être. Ça revient ma jupe. Ouais, parce que là j'ai emmené ma fille dans cette aventure. Là, je pense qu'on va avoir du joli là-bas tout à l'heure. Jus, ça revient. T'as pique-niqué? Non, ça va. Oula, joli sur le roc d'enfer, jusque là. Oh là là, ça a l'air d'avoir été bon, ça. Voyons le résultat. En fait, c'est ça. Oh, c'est pas mal. Au 70. Oups, ça c'était pas la même chose. Mais là, on est un peu dans le dans la flotte. Ouais. Ça, ça a l'air plutôt bien, ça. On va laisser réarmer le système. Je suis bien net. Et là, ça a donné quoi, ça? Waouh, si c'est beau, ça. Allez, je vous montre. C'est pas mal, tout ça. Ça, ça va être sympa. Et puis alors lui là-bas, je ne sais pas ce qu'il fait, ça pète encore un peu. Celui-là, je ne l'ai pas eu. Ah si, c'est joli ça, regardez-moi ça, comme il est beau, ça c'est ma plus belle sortie depuis très longtemps. Ma fille se marre comme une baleine. Regardez-la là. Se marrer comme une baleine. C'est à elle qu'on doit l'ambiance musicale absolument exceptionnelle. Oula, ça part de partout de nouveau. Alors, quand même, il faut faire un point sur l'organisation. Donc le minibus, avec des boîtiers un peu partout, et un paysage assez sympa. Ouh là, j'étais dans le champ là. Oh. Tiens, je vais accrocher le truc par là. Là. Où c'est que je peux l'accrocher lui? Oh, sur le toit. Ah, il est bien sur le toit là. C'est aux premières loges. Faut pas que je l'oublie quand je vais refermer le truc. Voilà, c'est bon. Là, si ça pète encore, vous l'aurez en direct.
Alors, ici, c'est quoi la ville? C'est quoi ta vie là, juste? Ah ouais, c'est bien sonorisé notre truc. Coucou. Bon, ça se calme là. Oh, celui-là, oh, il a coupé le tout. Ouais. Bon alors, ça revient par où là l'histoire? Oh, il pleut là-haut. Mon téléphone, il pleut. Alors, qu'est-ce qui peut se passer là? Ah, il y a eu de la grêle sur le roc d'enfer. De ce côté, ça a l'air pas trop mal. Mais là-bas, ça peut revenir gentiment là-bas. Oh, les jeunes, il pleut là. C'est sympa, hein? Je parle à Florian qui me met des messages, Juliette.
Alors là-bas, il y a eu de la grêle sur le roc d'enfer. Ça pète encore derrière le roc d'enfer. Là, ça doit être un peu plus sur le lac Léman maintenant. Mais bon. Là-bas, en direction de Taninges. Ah, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu celui-là, je pense. C'était là. Alors, est-ce que j'étais orienté là où il fallait pour cette merveilleuse séquence? Eh bien, non, semble-t-il. On l'a pas vu. Alors ce capteur, ce détecteur là, il semble pas très violent. Ouais, maintenant c'est derrière le roc d'enfer, du côté de Bellevaux, et sans doute sur le lac Léman. Alors, est-ce qu'il est bien raisonnable d'aller au bord du lac? C'est quoi ce bins? Ouais, ce serait peut-être la bonne option d'aller au bord du lac Léman. T'as envie de descendre à Thonon, Jules? Comment? T'as envie de descendre à Thonon? Ben pourquoi pas? Pourquoi pas, dit-elle. Bon, on va encore attendre un peu ici parce que ça peut être pas mal sur le roc d'enfer encore. Alors, on va se recadrer un peu sur le roc. Cadrer comme ça, c'est pas mal. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, c'est qu'un tout petit. Un tout petit, mais il fait du bruit. Hein. Ça arque derrière là-bas. Et de l'autre côté, le soleil revient. Enfin, le soleil, c'est pas gagné. Oui. Eh oui, on remonte la sensibilité. Ouh.
Ça baisse vraiment là. Qu'est-ce que c'est sympa de suivre un orage en étant du bon côté de la monte du col, sans se prendre toute la flotte sur la figure. Tiens, on va mettre le truc ici et vous allez pouvoir suivre en direct live les prochains événements. Voilà, comme ça, c'est bien. En fait, l'orage n'a pas arrêté de tourner là. Là, il y en a encore eu un coup là-bas. Et je pensais pas réussir à le choper, mais c'est plutôt pas mal. Faut dire, là, je suis un peu dans l'angle. Là, ça revient clair de l'autre côté. Ce vieux Volkswagen T4 est très pratique pour laisser le matos à l'abri sous le haillon, tiens, encore un peu là. Et même en cas de pluie, on peut plier super vite. Pour se mettre à l'abri. Oula, joli! Je ne sais pas si vous l'avez eu celui-là. C'est toujours sur le roc d'enfer que ça donne un peu. Ah ben oui, le haillon, c'est le rêve absolu. Le seul problème, c'est de trouver un emplacement pour se stationner, de se mettre dans le bon sens. Il m'arrive même d'enlever le siège arrière et de rester complètement en intérieur. Mais le problème, c'est que le haillon se lève pas suffisamment et ça cache le ciel. Tiens, ça arque encore un peu derrière là-bas. Juju! Juju! L'ambiance est encore sympa, hein? Oh, joli! Je sais même pas si ça a déclenché, tiens. Ouais, peut-être que je vérifie les batteries parce que j'aurais bien voulu un petit éclair sur la grue là. Ce serait sympa un éclair sur la grue. On va laisser le truc ici. Comme ça, vous pouvez suivre les événements. Tranquillou, il pleut presque pas.
Les prochains, vous les aurez plein cadre. Ça revient. Là, ça doit bien donner sur le. Ça doit bien donner sur l'aimant là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On bouge. Il y a eu un petit là, mais elle est un peu lente. Hein, cette... Thank you.
continuer après. C'est par là-bas que ça se passe. Réduire la sensibilité vers la gauche sur la cellule de détection. Ouais. Oui, oui, oui. Il se passe quelque chose, ça revient encore là, tranquille. Hé, Juliette, t'as une lumière dans la voiture, hein? Oui, oui. Parce que mon accompagnatrice est en pleine lecture. Bah oui. Bah ouais. Tu veux du chauffage? Non, ça va pour l'instant. Ah, t'as mis ma polaire? Bah oui, j'ai encore une veste. Et si je pose ça sur la cellule? Ah non, ça tient pas. Coucou! Il y a quelques images pas mal ce soir. Ça donne encore un peu au fond, moi ça donne partout encore. T'as le petit nuage là, c'est joli. Comme ça. On va essayer de faire quelque chose à travers ce petit nuage. Au fond là-bas. Allez. Bon, ben là. Oula, c'était où ça? J'y ai pas vu. Ça a déclenché de partout à la fois. Ah, batterie faible. Ah bah non.
Bon, il se passe encore deux, trois petits trucs à droite à gauche, mais rien de flagrant. Bon, ça a l'air un peu calmé. Mais ne négligeons pas le fait que ça peut repartir, parce que c'est encore bien chargé là-bas. Bon, ça tape derrière le roc d'enfer. Sur le pic, c'est pas mal, hein, encore. Ouais, ça tape sur le léman là, droit du côté là-bas. Sur le pic, il se passe plus grand-chose. Oula, derrière le roc d'enfer et plus à droite sur la vallée de la Drance, c'est pas mal. Ah si, encore un peu derrière le Marcellet encore. Alors, est-ce que ça peut revenir par là? Hey, c'est bien baladé cet orage-là. Ouais, c'est encore pas mal là-bas. Ce matin, j'ai repéré un emplacement pour avoir le roc d'enfer. Alors, on va dézoomer un peu. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça tape encore. C'est quoi là-bas le môle? Au fond là-bas. Ça peut repartir sur le pic du Marcellet. Alors si on peut faire des images depuis ici, on ne va pas descendre au bord du lac. Juliette est en train de manger le pot de Nutella. Oh, ça va, hein. Bon, là j'ai un petit problème, faut que je recharge l'iPhone. Ça donne quoi la qualité de la vidéo? Ouais, parce que je suis en 3G, je suis même pas en 4G là. Ce que je voudrais, c'est que ça reparte un peu sur le Marcellet là. Ça charge sur le Marcellet gentiment. Oula! Ça remonte un peu du Léman là, je viens d'en voir un.
Est-ce que je l'ai attrapé celui-là? Ouais, c'était vraiment dans les gnolles. Ah, il était là-bas sur le. Tout au fond, il était. Tout. Bon ben, on va peut-être faire une interruption parce qu'il faut que je recharge l'iPhone. On va peut-être en profiter pour changer de place. Même si ça a l'air encore un peu chargé sur le marcelé. Oula! C'est joli sur mon chéri, là. Oh mais il fait de plus en plus sombre. Ça repart sur le marcelé. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'attendre un peu? Alors, je suis à combien de batterie? Oh, 15%, il y a encore quoi faire. Allez, on va essayer d'en faire encore une sur le marcelier. Parce que c'est un peu chargé. Sans grand espoir. Ah bah c'est derrière le.
Ça, c'était derrière le roc d'enfer. Oh, il commence à faire nuit. Bon, alors que disent les oracles? Ça revient ou ça revient pas? Ça semble mal parti. Tout, 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 tout. Ouh! C'est derrière, c'est loin tout ça. Mais bon. Non, ça revient là-bas. Allez, viens vers nous, petit orage. Allez, on va essayer d'en choper encore. Parce que ça n'a pas complètement terminé tout ça. Bon, il se passe plus grand chose, alors je vais en profiter pour remettre en charge l'iPhone. Et... bonne soirée et bonne nuit à tous. Ah ouais, je suis à 10%, c'est le moment de recharger. Mais avant ça, un petit tour sur le roc qui se recharge un petit peu. Là-bas, c'est bien sombre. Est-ce qu'il pourrait nous faire... ouais, c'est derrière. C'est surtenant. Là aussi d'ailleurs, c'est un peu partout. Bonne soirée, à bientôt, peut-être ce soir encore.